Ça va, par un mal de dos, comme d'habitude. Donc, je me chauffe le dos. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, je vous fais une vidéo sur mon coin, du coup, nail art, scrap, puisque j'ai installé ma machine à UV à côté de la Big Shot, en faisant attention à ce que ma Big Shot ait assez de place. Donc, c'est rangé pour une grande partie. Il me reste tout l'autre côté à faire. Non, parce que au fond, c'est ça n'a pas été dérangé. Donc, c'est à peu près rangé. Disons que mes plantes ont de quoi respirer. Si, bien sûr que si. Donc, je vous fais la vidéo tout de suite. Alors, donc voilà. Commence par mon coin. Le coin nail art qui se situe juste à côté et juste au-dessus de la machine. Donc vous voyez, hein, ça s'arrête là derrière les deux, derrière le dissolvant et le spray. Donc avec les trucs verts là-bas. Après, vous avez mon coin au fond qui est disponible et nail art. Non, nail art. Scrapbooking. Pardon. Et puis donc, ma Big Shot qui a la place de bouger. Voyez. Bon, après, il me reste encore ce coin-ci à ranger. Je suis un peu comme Loulou. Bazaroïde, hein? On est bazaroïde. Oui. Ah bah si, ça se dit, puisque je dis, hein? Non mais voilà, hein. Loulou, tu vois qu'il y a pire que toi. Ah non mais. Je crois que ceux qui ne mettent pas de bazar en scrap, ben ce sont ceux qui ont des rangements. Si. Ben si. Donc voilà. Comment dire, je récupère de l'autre côté dans la scrap room 1. Bon, on va dire que la scrap room 2 n'existe plus du tout, hein, c'est fini. Et vous avez vu sur mes beaux yeux verts. Oui, pour une fois que je suis prêt. Oui, ils sont verts, ils ne sont pas marrons. C'est du vert foncé. Donc, je suis en train de me refaire deux capsules parce que j'ai perdu deux ongles. Alors, un dans la machine et un dans le lit. Mais je chercherai plus tard. Pardon. Donc, voilà. Donc, ça va vous faire un montage. Ah oui, mais au moins il y aura matière à discussion. Vous voyez que j'ai fait vraiment serré parce que je voulais avoir le plus de choses possibles. Alors, bien sûr, ce qui sert en nail art sert en scrap
aussi. Ça, j'ai remarqué ça, que j'avais les outils nécessaires au scrap. Parce que j'étais dans le nail art. Donc voilà. Donc tout ceci, tout cela. Donc voilà. Aujourd'hui, je lis les deux. Je relis les deux. Hein. Je les assemble. Et puis, j'ai besoin aussi de me faire belle. Mais comme je suis allergique, c'est un mail. Comme je suis allergique, j'essaye de rester le plus naturel possible et puis mettre les produits seulement sur les yeux, ce que je supporte, ce que je sais qui est waterproof, ce que je supporte. Et puis pas le matin, parce que le matin j'ai les yeux qui pleurent, voilà. Et puis quand je ne sors pas, quand j'ai pas de rendez-vous, eh bien je me maquille pas. Voilà. Il est midi moins 10, je vous laisse là. Je vous dis à plus et voili.